C'était en 97, mais il appartenait à quelqu'un. Oh, c'est pas vrai. Avec des sacoches, tu peux... T'as toujours des testicules. Si t'as pas de testicules, normalement, tu peux pas des sacoches. Ça va ensemble. Non, mais tu mets la top. Guillaume, notre avocat, est déjà rentré, il se prépare et il nous fera sans doute une déclaration en sortie. Olivier, je te laisse en premier la parole, si ça te va, et puis voilà, pendant qu'on finit de manger et de ranger. Bonjour, bonjour et merci d'abord à tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui, beaucoup de copains qui sont là, des gens qui étaient à l'action aussi. On n'est que trois passés au tribunal aujourd'hui pour des raisons de refus, que ce soit photo, empreinte et ADN, qui sont régis par les mêmes lois et les mêmes droits. C'est aussi une question d'engagement citoyen et d'engagement populaire, de manière à ce que la criminalisation de ceux qui font des actions de dénonciation, de lanceurs d'alerte ou simplement des actions militantes dans des cadres comme ça a été le cas pour approcher des OGM illégaux, je le rappelle, ne soient pas traités comme de simples criminels, puisqu'on est là avant tout pour dénoncer ce qui se passe de manière récurrente avec ce harcèlement de la police. Ben, je voudrais dire que pour venir me déposer cette audition et cette convocation au tribunal, la gendarmerie est venue 5 fois devant chez moi avec les gyrophares jusqu'à réussir à me trouver chez moi dans un village où je venais d'arriver. Donc voilà, vous imaginez un peu la gueule des voisins, c'était pas terrible. Mais tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait, on est rarement condamné. Les faucheurs volontaires d'OGM qui existent depuis 18 ans, dont je tiens à saluer la disparition du fondateur il y a quelques semaines. Voilà, une pensée pour lui et une pensée pour tous ceux qui l'aimaient et tous ceux qui ont suivi, dont moi, des années plus tard, qui ont rejoint les faucheurs volontaires. La réalité de ces engagements sont aussi ceux d'une volonté de préserver l'environnement et de préserver une alimentation de la fourche à la fourchette qui soit équitable et surtout qui soit éthique. Nous avons des preuves par la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait une procédure et qui a rendu un jugement, celui de dire que les semences interdites aujourd'hui sont dangereuses pour la santé, sont dangereuses pour l'environnement. Cet environnement, c'est avant tout une volonté de le préserver avec laquelle nous nous sommes tous engagés. Aujourd'hui, c'est avec le sentiment d'assumer pleinement ce que nous sommes en train de faire et ce que nous devons faire que nous allons nous présenter au tribunal avec les copains. Il est hors de question de baisser les bras, il est hors de question de baisser la tête. Je laisserai à Annick le soin de procéder à quelques informations complémentaires sur ce dossier. Mais en attendant, je tiens à rappeler une petite chose et je terminerai donc par cette citation. Il ne faut jamais douter qu'un petit groupe d'individus conscient et déterminé puisse changer le monde, puisque c'est toujours ainsi que cela a été fait. Je vous remercie et je laisse la parole à Annick. Et je continue dans une autre citation que j'aime bien aussi, de Georges Bernanos, qui dit « Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre ». Et ça, c'est bien pour nous, les faucheurs. Donc d'abord, une petite pensée effectivement très émue pour Jean-Baptiste, qui est mort le jour d'une action faucheur. C'est quand même extraordinaire. Et du coup, voilà, ben, il nous a quittés calmement, je crois. Moi, j'ai pas pu y aller à son enterrement, mais je pense que ça a été d'abord une grande fête des faucheurs volontaires, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous étions aussi à ces deux fauchages, celui de Druel et l'autre. Et du coup, pourquoi on est allé dans ces champs? On est allé dans ces champs pour détruire des plantes qui, normalement, ne devraient pas avoir été semées, parce qu'un arrêt de la Cour de justice européenne de juillet 2018 a dit que ces plantes étaient réellement des OGM. Ça, c'est une... En fait, ça confirme déjà la directive 2018 sur laquelle on se base dans notre définition des OGM. Mais en plus, que ces OGM-là devaient être régulés, c'est-à-dire qu'ils devaient être étiquetés, bien sûr suivis, etc. Et normalement, c'est écrit, c'est des OGM. Nous, pourquoi on les a fauchés? On les a fauchés pour cette raison-là.
Ce sont des OGM, ce sont des variétés rendues tolérantes aux herbicides par une technique de mutation qui s'appelle in vitro, c'est-à-dire en laboratoire sur culture de cellules isolées. Et du coup, en fait, ils sont non seulement des OGM, mais ils sont aussi des OGM à réglementer. Le Conseil d'État a rappelé ça à l'État le 7 février 2020. C'était aussi un arrêt, ça s'appelle l'arrêt du Conseil d'État. Eh bien, ce même arrêt devait être appliqué 6 mois ou 9 mois plus tard, parce qu'il y avait plusieurs points. Mais en tout cas, au plus tard, 9 mois après le 7 février. Donc ça fait plus d'un an et demi que nous attendons que l'État s'exécute, c'est-à-dire obéisse au Conseil d'État. L'État est illégal. Il devrait obéir au Conseil d'État et ça fait un an et demi que ça dure. Demain, il y a demain à Paris, justement, une rencontre avec une conférence de presse où on va aller remettre cette pétition au ministère. Voilà, donc on attend. Il y a une pétition de plus de 100 000 signataires pour demander que l'État s'exécute, c'est-à-dire obéisse au Conseil d'État. Alors, il faut dire que la bataille est serrée, parce qu'en même temps que ça, la Commission européenne est en train de détourner le regard et de nous dire que les nouvelles techniques ne donnent pas des OGM et bousillent le travail qu'a fait l'appel de Poitiers et tout un groupe de gens qui ont justement abouti à ces arrêts dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, bousillent tout ce travail. Donc ça fait depuis 2012 à peu près que ça dure. Donc voilà un travail de 9 ans qui risque d'être foutu en l'air par la Commission européenne qui, sous le poids des lobbies, etc., va essayer de mélanger la chèvre et le chou en apparence, mais pas en réalité. Voilà. On verra les questions, peut-être que ça me donnera de l'inspiration, mais c'est surtout qu'on a, on est dans notre bon droit, comme l'a dit Annick. Nous, on ne fait que détruire ce qui ne devrait pas exister. Et notre action, elle est pour l'intérêt général, on ne se remplit pas les poches, on n'est pas là pour notre tête, on est là pour l'intérêt collectif. Voilà, c'est tout. Continuons la lutte. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Toute la vie, c'est ça. Il n'y avait pas d'éléments probants sur la participation à l'action, sur l'infraction. Voilà. Moi, j'ai demandé la relaxe en expliquant que n'avait aucune utilité à la mesure, dans la mesure où les faucheurs volontaires revendiquaient leur action systématiquement, quand on mettait la liste des participants, et du coup, le fichage interne était inutile et pas proportionné aux actions militantes. Quand vous étiez dans des actions militantes et pas des actions de délinquance, il fallait prononcer la relaxe. Comme les dizaines de relax qu'on vous avez déjà tenu jusque-là sur le même format que vous. Et du coup, le juge a joint les trois dossiers, prononcé la relax. C'était sympa d'avoir attendu 5 heures pour que la procureure se relaxe.
Et voilà, mais encore une fois, bon, c'est fait, on a attendu longtemps, tout ça pour que la personne qui décide qu'on soit jugé finisse par dire qu'en fait, elle ne cherche pas à nous condamner. Et pourquoi? Je crois qu'à un moment donné, le harcèlement qui est fait quotidiennement au militant... C'est la bonne question. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle a poursuivi? Ouais, pourquoi est-ce qu'on est poursuivi? Parce que c'est elle qui décide de nous convoquer au tribunal pour nous dire finalement, elle va nous relaxer. Bon, bah, et à un moment donné, c'est une incohérence, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et c'est encore du stress pour rien. Enfin voilà, il y a une volonté de briser les militants derrière dans son fondement personnel et intime. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Parce que là, on se retrouve à être relaxé. Et la personne qui nous convoque au tribunal nous dit bah non, en fait, vous pouvez rentrer chez vous. Quoi. Donc on est resté pour arrêter tous 5 heures. Merci à tous d'ailleurs d'être restés là. Mais voilà, je crois que c'est encore une fois la preuve qu'il faut qu'on continue parce qu'on est en merde. Et merci Guillaume.